Vie antérieure aujourd'hui avec Angelica, le lundi 15 juillet 2019. D'accord. Angelica, on me montre à peu près le 12e siècle. D'accord ? 12e siècle. Alors, je vois la ville de Lyon. Hein, on me montre la ville de Lyon, on me montre le Bouches-du-Rhône. D'accord ? On est en train de me montrer le Bouches-du-Rhône. C'est important cet endroit-là parce que... alors, on me montre une jeune femme de bonne famille, de grande famille. D'accord ? Mais quelqu'un qui n'a pas du tout envie, je veux dire, une fille très autonome. Alors, je vois d'autres frères et sœurs. Hein, d'accord ? Mais... Je vois quand même une séparation entre vos frères et vos sœurs par rapport à l'éducation, d'accord ? Alors vous avez une sœur, hein, on me montre bien une sœur, quelqu'un de plus jeune que vous, et vous êtes, on me montre que vous êtes l'aîné, d'accord ? De la fratrie familiale. Votre maman, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le temps de s'occuper de vous. Qui est toujours, je veux dire, c'est quelqu'un de modène, hein, qui est assez, je veux dire, on me montre quelqu'un qui est toujours en déplacement ou toujours dans des réunions mondaines avec d'autres femmes et du coup, elle s'occupe pas trop de vous, hein, et de vos frères et de votre sœur, hein, la plus jeune. Si elle n'aurait pas eu d'enfant, ça l'aurait bien arrangé aussi, d'accord ? Voilà. C'est quelque chose qui va vous marquer, on me dit, dans les vies après cette vie-là, parce que en fait, vous êtes quelqu'un qui avait besoin énormément d'affection, énormément de, je veux dire, quelqu'un qui a besoin justement de se sentir aimé et tout ça, et ça va impacter vos vies après, par la suite, on me dit, d'accord ? On va voir aussi. Vous tournez carrément vers l'extérieur. C'est surtout ça, votre regard, c'est d'aller chercher vers l'extérieur ce qui vous manque à l'intérieur, on me dit. Oui. D'accord. Alors, votre père, c'est quelqu'un assez de brutal avec sa femme, quelqu'un qui est autoritaire. On me montre quand même quelqu'un qui a énormément les moyens. Et du coup, je veux dire, j'ai l'impression que vos parents, que ce soit mère ou père, ce sont deux enfants, gamins, deux grands adultes, pas du tout matures, d'accord ? Où le privilège de tout pouvoir avoir avec l'argent permet de tout faire, en fait. D'accord ? Mm-hmm. Voilà. Oui. Ils sont ensemble pour être ensemble, c'est surtout ça. Mais ils ne sont pas ensemble par amour ou par compassion. Et c'est pour ça que ces enfants, vous en tant qu'enfant, et... Alors, je vais surtout parler de vous. Hein. Il y a votre sœur qui a un impact sur vous parce que les garçons, il y a deux garçons et vous êtes deux filles. Vous êtes l'aînée, on me montre. Hein. Cet impact avec justement de voir comment sont élevés. Je veux dire, vos plus jeunes frères et sœurs, vous touchent énormément, d'accord ? Au niveau des enfants, on me parle. Oui. Alors, vous n'êtes pas seule dans cette maison, hein ? On me montre bien des gens qui sont là pour vous éduquer, pour vous apprendre, pour... voilà, vous avez quand même une éducation. Mais ce n'est pas par la mère ou par le père. Il y a quand même une certaine autorité. Mais je vois bien un régenceur qui est présent... pour votre éducation, pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, voilà. Hein. Les langues aussi, hein. Il y a les langues aussi qui sont bien présentes dans cette vie. Mais par contre, il y a un laisser-aller dans l'amour, c'est surtout ça qu'on me parle, c'est surtout le côté affectif. Alors, d'accord. Là, on me montre pour vous, Angelica, c'est que je vais vous demander quand même votre nom, hein. Votre mère est d'origine espagnole, on me montre, d'accord ? Elle est de la noblesse espagnole. Je vois un accent très fort avec le « r », vous voyez, un accent très fort. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient du côté Barcelone, d'accord ? Voilà, même en dessous de Barcelone. Hein. Votre père, c'est bien lyonnais, c'est quelqu'un de lyonnais, hein. Quelqu'un de très... Et j'ai l'impression aussi que ces cultures de choc ne sont pas adaptées. Oui. Culture de choc. Votre mère a fait, on me dit qu'elle a fait le couvent jeune fille, et c'est pour ça cette liberté d'aller vers l'extérieur, c'est plus que les enfants, d'accord ? On me dit aussi que vous allez vous diriger justement vers le couvent, parce que vous ne voulez pas avoir d'enfants.
D'accord. D'accord, vous allez vous diriger dans cette possibilité. Vous voulez être intacte, d'accord, intacte physiquement. Vous ne voulez pas avoir le poids d'un homme, c'est insupportable pour vous. Votre père est toujours en train de vous donner des ordres et faire ci et faire ça. Et il vous reproche des choses, je veux dire, par rapport à vos frères, hein, pas par rapport à votre jeune sœur, parce que je vois quand même 8 ans ou 10 ans de différence avec votre sœur, mais c'est surtout par rapport à vos frères. Il vous fait des reproches que vous ne faites pas bien les choses. Il vous met un peu le régenceur alors que vous êtes trop jeune. C'est pour ça que vous allez vous orienter vers tout ce qui est... les monastères, d'accord, on me montre un monastère pour vous, d'accord. Alors, il y a de l'argent, hein, vous avez une dot, hein, il y a de l'argent, hein, pour votre mère, c'est un soulagement, d'accord. C'est la meilleure chose pour elle que vous fassiez, parce que pour elle, au moins, je veux dire, comment dire, cette liberté que vous prenez d'une certaine façon. Alors, je vais vous dire que vous êtes liberté, parce que, en fait, vous rentrez dans ce monastère, mais vous ne logez pas dans ce monastère, on me dit. D'accord ? Vous êtes dans un hôtel, on m'en montre bien, un hôtel où vous avez votre propre chambre, où les repas sont préparés. J'ai l'impression que vous vivez avec d'autres personnes, d'autres sœurs, à l'extérieur de ce monastère. D'accord. D'accord ? Alors du coup, vous trouvez votre liberté tout en ayant, en faisant ce que vous voulez, en rentrant dans le monastère. Alors, je vois quand même beaucoup, beaucoup d'argent, d'accord, dans votre vie. D'accord. Une femme qui n'a pas besoin de, forcément de travailler, mais c'est très important pour vous, on me dit, l'éducation. C'est surtout ça. Alors, vous êtes quelqu'un qui adore lire, énormément lire. Vous aimez les pièces de théâtre. Vous vous cachez en cachette avec vos amis pour aller voir des pièces de théâtre, des choses en fait, des trucs extérieurs, d'accord ? Mm-hmm. En fait, vous prenez en main complètement votre vie. Mais pas forcément... alors, je vois quand même un amant, hein, même si vous êtes dans le monastère, je vois quand même un amant. Mais pas du tout quelque chose, quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, mais auquel je veux dire, il n'y a pas de lieu d'intérêt, je veux dire, il y a un lieu d'intérêt, mais pas une obligation familiale. D'accord. D'accord. C'est un échappatoire, ce monastère, pour vous. D'accord. D'accord. Vous ne voulez pas vivre sur l'emprise d'un homme autoritaire, avoir des enfants, c'est pas du tout votre truc. C'est pas ça du tout. Vous ne voulez pas d'enfants qui souffrent. Vous avez souffert d'une vie difficile et vous ne voulez pas souffrir. Vous êtes quand même... alors, votre nom, c'est, on vous appelle Sœur Paula. Paula, mais c'est Paula, votre prénom. Marie Paula. D'accord, hein? Marie Paula, hein, c'est Maria Paula, hein, c'est le nom que votre mère vous a donné, d'accord, hein? D'accord. Voilà, Maria Paula, Paula. Oui. C'est votre nom, hein. Cette vie-là, elle va bouger sur d'autres vies, elle va permettre de vous ouvrir sur d'autres vies, d'accord, hein? D'une femme indépendante aussi, on me dit, d'une femme ou d'un homme indépendant, de toute façon, les vies, on peut devenir homme ou femme, de toute façon. C'est drôle parce que vous aimez tout ce qui est, je veux dire, vous serez invité quand même à la cour, on me montre à la cour, d'accord, par rapport à votre titre. Les hommes essaieront de vous convoiter et tout, mais derrière votre vêtement religieux, on ne vous touchera pas, d'accord. Mais par contre, vous avez une vie amoureuse secrète. D'accord. Vous estimez que Dieu... Dieu est partout et vous avez quand même cette ouverture religieuse en disant, je veux dire, on peut très bien avoir une vie de femme, mais sans avoir l'obligation d'être dans un... Vous voyez, vous avez un esprit très moderne de l'époque, très avancé de l'époque. Élodie, on me parle d'Élodie. Oui. Élodie, on parle d'une sœur qui est avec vous, auquel vous avez énormément de compassion. C'est une sœur, hein, on me montre aussi, avec qui vous logez dans cet hôtel et elle s'appelle Élodie. D'accord. D'accord. Alors, Mélodie ou Élodie. Mélodie ou Élodie. D'accord. D'accord. C'est quelqu'un qui est attiré par tout ce qui est théâtre, tout ce qui est aussi comme vous, en fait. D'accord. Tout ce qui est...
je veux dire, tout ce qui est comédie, tout ce qui est artiste, artiste. D'accord. Elle aussi, elle vient d'une très bonne famille et toutes les deux, vous vous entendez très très bien. D'accord. Elle aussi, oui. Elle mène une vie, je veux dire, une vie cachée, mais qui lui convient totalement, comme vous. Alors, vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y en a d'autres. Pardon. Vous n'êtes pas les seuls. Et, hein, voilà. Vous ne vivez pas. Alors, on me parle du monastère des filles de Saint-Pierre. Ah oui. Saint-Pierre, ici en France. À Lyon. À Lyon, d'accord. D'accord. Alors, on m'envoie un édifice long comme ça, d'accord. Un édifice long et qui est derrière, hein, tout se passe par derrière. Mais vous ne vivez pas là, vous ne logez pas là. Hein, vos parents ne vous auraient pas laissé loger. Et de toute façon, vous avez une dot tellement importante. Il y a même des terres qui ont été données, je veux dire, d'accord. Vous êtes rentrée là-dedans parce que, en fait, votre génération de familiale, on me montre de 4-5 familiales, est de noblesse. Donc, c'est pour ça que vous êtes rentrée là-dedans. Mais il faut donner quelque chose. Vos parents ont donné. Hein, vous leur avez mené la vie dure pour qu'ils vous donnent ce qu'il fallait. D'accord. Alors, par rapport à ça aussi, Angélica, ce qu'on me montre aussi, c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui aimait l'écriture, vous aimez tout ce qui est les livres, hein, l'ornement de livres, mais à cette période-là, vous vous occupez des contes, on m'a dit. Des contes ? Des contes. D'accord, c'est votre comment dire, l'organisation des comptes. D'accord, tout est géré par les femmes. Hein. Vous voyez, on me dit que c'est vous qui allez lire justement quand une personne part, qui allez lire la place d'une autre personne, la place qu'elle doit prendre. En fait, tout est géré dans cet endroit-là par une communauté féminine. Mm-hmm. D'accord, vous avez quand même les approbations du pape. D'accord. Il y a quand même une certaine. Alors, c'est un peu comme l'histoire des militaires, vous savez. Les militaires vont gérer leur propre communauté, en fait. Hein, d'accord. Il y aura le cuisinier, il y aura les secrétaires et tout ça. Mais vous gérez justement cette communauté avec d'autres personnes. Hein, on me montre que Élodie ou Mélodie fait partie. Alors, c'est Mélodie ou Élodie? Mélodie, hein, je pense que c'est Mélodie, elle s'appelle, Mélodie. Oui. Mélodie. Mais il y a. C'est gérer, en fait, gérer cette communauté, en fait. Et vous gérez très, très, très bien. D'accord? On n'intervient pas forcément dans dans cette organisation parce que tout est bien organisé, tout est, je veux dire, on accueille des enfants de bonne famille, où il y a l'éducation, où il y a la poursuite de l'éducation jusqu'à ce qu'elles, si elles veulent se marier. D'accord, il y a quand même une... voilà, c'est important pour vous. Mais moi, ce qu'on me montre surtout pour vous, c'est la gérance, en fait, financière, de l'argent qui rentre de ces jeunes filles. Et c'est vous qui allez gérer, ben, il faut faire telle chose, il faut retaper tel endroit. Alors, les jeunes filles, elles restent dans ce cloître, hein, elles sont surveillées, d'accord, hein, elles sont surveillées, mais vous avez la possibilité d'être à l'extérieur. D'accord, parce que vous n'êtes plus géré. Au début, vous étiez à cet endroit, mais après, vous aviez la possibilité d'être à l'extérieur puisque vous avez atteint, on me dit, 23 ans. D'accord. Hein? Vous avez fait vos vœux. Ces jeunes filles, elles sont obligées de rester à cet endroit-là. Mm-hmm. Mais c'est un peu comme une... je veux dire... quand on est interne, d'accord, il y a les enfants qui sont là, les jeunes filles, et puis il y a des surveillantes. D'accord. Vous avez votre maison, je veux dire une grande chambre, une suite dans un hôtel qui est pas très loin, on me montre, et auquel vous vivez le luxe, dans le luxe. D'accord. Voilà. On va vous proposer, hein, de vous marier. À un moment donné, votre père, lui, avait décidé de vous marier, mais il avait déjà organisé, mais ce n'est pas du tout votre volonté. Donc, il est obligé d'accepter votre volonté. Voilà. Vous avez quand même un fort caractère. Hein. Oui. D'accord. Vous ne mâchez pas les mots, on me dit. Et ça, vous l'avez de cette période de vie. D'accord. Je pense.
Voilà, cette période de vie. Hein, une femme indépendante qui fait ce qu'elle veut, comme elle l'entend, et qui conçoit sa vie sexuelle comme elle l'entend. Mais vous n'aurez qu'un homme dans votre vie, hein, au moment de quelqu'un. Vous serez très fidèle à cette personne. Cet homme, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous comble de cadeaux. D'accord, qui vous comble énormément de cadeaux. Vous n'êtes pas forcément dans le besoin financier de cadeaux parce que vous avez tout ce qu'il faut, mais il vous comblera énormément de cadeaux. C'est le monsieur âgé. Voilà, cet homme âgé. Alors âgé, je dirais qu'il a 19-20 ans de plus que vous. D'accord. C'est un peu le père, d'une certaine façon, le père spirituel ou le père, quelqu'un qui vous aide. Le père que vous cherchez en même temps, mais c'est un père mari en fait, d'accord ? Mari compagnon, oui. Je dirais plutôt compagnon. Compagnon. D'accord ? Aujourd'hui, on me dit que vous aimez les belles choses, à cause de cette période-là. Oui. Angélica, hein, vous aimez. Oui. Vous préférez avoir peu, mais avoir bien. Oui. Qu'avoir beaucoup et moins bien. Oui. Vous voyez ? Et en fait, oui. Ça tire. Vous êtes quelqu'un d'épuré aussi ? Quelqu'un qui aimait pas forcément trop de babioles, d'accord, oui. Hein, à cette époque-là, on vous offrait tellement de choses que vous distribuiez ou vous vendiez pour apporter. On me montre, l'argent coulait à flot, d'accord. C'était vraiment une renaissance, tout était géré comme il faut. Après, peut-être qu'il y a eu des guerres ou des choses qui ont fait, mais vous avez bien vécu cette période-là. Par contre, ce qui me fait rire, sourire, c'est que toutes les invitations théâtrales, la musique, tout ce qui est l'art, tout ça, ça vous intéressait. Mm-hmm. D'accord. Mm. Voilà. Alors, vous jouez du piano, hein, vous avez enseigné le piano. Voilà, vous jouez du piano, hein. Au moment que vous jouiez du piano, c'était important pour votre mère. Par contre, vous n'étiez pas douée en couture, en broderie, c'était pas du tout votre truc. D'accord ? Oui. Voilà. C'est drôle, on me montre une jeune fille allongée devant une grande cheminée, hein, chez vous. Oui. Une grande cheminée et allongée par terre sur un tapis et votre maman vous respecte parce qu'elle dit je ne veux pas te voir allongée, vous êtes avec un livre en train d'étudier, d'accord. Elle vous demande, en fait c'est un livre mais c'est un livre de la bibliothèque de votre père, vous n'avez pas le droit de toucher mais vous lisez tout en fait en cachette. Et elle vous a surpris en train de lire ce livre, hein. On me montre une dorure dorée, vous voyez les pages dorées. Et comme s'il y avait, quand on les ouvre, ça fait comme une image, comme un, voilà, ça fait comme un, la nature en fait, on me montre. Vraiment des livres, voilà. Ok. Alors, à cette période-là, on me montre quelqu'un qui vieillit assez âgé, hein, d'accord, hein, voilà. Qui part de cette... Ah, je vais mourir âgé. Âgé, hein, quelqu'un qui part âgé. Alors, à l'époque, on me montre... 78 ans, 79 ans. D'accord. L'époque, c'est très beau. Oui, dites-moi. Juste une question. Oui. Parmi ces personnes que j'ai connues, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans ma vie de l'époque? On me dit que oui. On me dit que oui. Je pense que c'est cette grande amie. D'accord, hein? Cette grande amie que vous aviez à cette époque-là. Ah, la dame, voilà. La fille, oui. Mélodie. Votre amie qui s'appelle Mélodie, d'accord, Mélodie, ah, d'accord. Ou Élodie, on me dit ça. Hein, c'est un rapport aujourd'hui. C'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, il y avait beaucoup de complicité. Des fois, vous étiez amenée, elle n'était pas là, elle devait être en, je pense, en mission par rapport à sa famille. Mais mais c'est quelqu'un avec qui vous étiez liée. Mais il y avait une grande indépendance entre toutes les deux. Vous faisiez d'un côté ce que vous avez envie, elle faisait ce qu'elle voulait. Mais quand vous vous approchiez, en fait, voyez, il ne faut pas trop piétiner l'une sur l'autre, on me dit, aujourd'hui. D'accord, et c'est vrai. Et c'est qui, est-ce que je peux savoir qui est cette personne aujourd'hui par rapport à moi? Alors, je pense que c'est une de vos filles, votre fille, on me dit. Ah, c'est ma fille. D'accord. Hein. D'accord. Voilà, on me dit votre fille. Ma fille. Comment s'appelle votre fille? Élodie. Ben, c'est votre fille, alors. C'est votre fille. D'accord. Alors, des fois, on l'appelait Élodie, des fois, on l'appelait Mélodie, parce qu'elle aimait chanter, en fait, beaucoup. Ah,
Ah, d'accord, elle est méchantée, d'accord. Elle est méchantée. Alors, je sais pas si Elodie aujourd'hui aime chanter. Vous aimez chanter, Elodie? Oui? Alors, et puis, il y a les pièces de théâtre, vous faisiez beaucoup de choses ensemble, tout ce qui était l'art, en fait. Je veux dire, au niveau, on me montre royal d'aller voir des choses, et puis tout ce qui était rue aussi. Vous aimiez aller voir les théâtres dans la rue, d'accord, hein, à l'extérieur et tout ça, vous adoriez. C'était un moment de rire parce que c'était forcément la réalité par rapport au peuple et tout. Alors, on me montre ça. Voilà, Angélique, j'ai pas D'accord. d'autres Et informations. Oui, dites-moi. ce père-là que j'ai eu là-bas, est-ce qu'il est revenu dans ma vie, dans notre vie, le père? Non, pas dans cette vie-là aujourd'hui, non. D'accord? Il n'est pas venu dans cette vie-là d'aujourd'hui. On va voir après les autres vies, Oui, d'accord? On on va va voir voir un d'autres. peu. Alors, on continue. Alors, d'accord. Là, on me montre le 16e, 17e siècle. D'accord? Alors, on me parle de l'Angleterre. D'accord? L'Angleterre. Hein? English. D'accord. Alors. D'accord. Là, on me parle en tant qu'homme. Vous êtes un homme. D'accord? D'accord. Un homme. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui ce côté un peu peut-être des fois autoritaire. Des fois trop, comment dire, on me dit très tout de suite, vous dites les choses sans forcément mettre l'intention douce, avec une douceur qu'il faut. Vous voyez, parce que vous avez été un homme en Angleterre, et on va vous expliquer aussi pourquoi ce côté aujourd'hui en vous, pulsif, qui peut être pulsif, mais pas méchant en fait. C'est le besoin de dire les choses par votre pulsion, d'accord? Alors, on me dit qu'à cette période, vous êtes un homme, d'accord, Angelica, et c'est important. On montre un homme, alors j'ai l'impression que c'est un lord encore, c'est quelqu'un aussi de renommée, de famille imposante, d'accord? Alors, ce qu'on va tirer aujourd'hui de cet homme, c'est surtout le caractère, ce qu'il a apporté. D'accord, on ne va pas venir à l'enfance, on me dit, c'est surtout ce qu'il a apporté. C'est quelqu'un qui veut changer d'une certaine façon le système, je veux dire, le système politique et le système éducatif, on est en train de me dire, par rapport à l'éducation des jeunes enfants. D'accord? Afin que. Mais derrière tout ça, il y a un côté religieux aussi. D'accord? Il est important d'éduquer les enfants même pauvres, pour être dans une puissance, c'est ce qu'on est en train de montrer, une puissance économique, une puissance, je veux dire, d'accord. On me montre que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un boom, je veux dire, par la suite, de certains Anglais qui ont pu aller en Inde, qui ont pu aller en Amérique, qui ont pu aller dans des îles, parce qu'il y avait cette connaissance éducative qui était là, en fait. On a Ah préparé. donc, Hein, on j'ai a. contribué à quelque chose alors. Oui, bien sûr! Bien sûr. Même en cette période où vous étiez sœur, hein, vous avez contribué aussi. D'accord. D'accord. Oui. Alors, c'est l'évolution, hein, on appelle ça de l'évolution aussi. D'accord? Alors, on me montre des enfants, vous vous désespérez de voir autant d'enfants, je veux dire, orphelins, où les parents manquent d'éducation, manquent de savoir, manquent de culture, mettent ces enfants à la rue et finalement se retrouvent dans une pauvreté, alors que c'est de la main-d'œuvre, ces hommes. Ce sont les possibilités, je veux dire, d'apporter. Une connaissance au niveau artistique ou manuel, ou vous voyez, ça peut être des cordonniers, ça peut. Il faut éduquer tous ces jeunes enfants, en fait, c'est important. Hein? On me montre vraiment un âge d'or de ce côté-là, un âge où vous allez participer, vous, avec d'autres personnes, justement, à imposer une certaine loi, une certaine possibilité au niveau royal. D'accord? On me parle bien d'Élisabeth, pour l'éducation des enfants, pour l'éducation des enfants. Alors, il n'y a pas forcément l'éducation des riches, parce qu'ils sont déjà ce qu'il faut, mais c'est l'éducation du peuple.
D'accord. Hein? Alors, il y a quand même des conflits. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'éduquer le peuple, de leur apprendre à lire ou à écrire? Parce que est-ce que ça pourrait faire une révolte par la suite de cette pauvreté? Mais vous maintenez que c'est une bonne chose d'éduquer parce que ça permettra de faire évoluer l'Angleterre, en fait. D'accord? Voilà. Oui. Alors, cette façon de voir les choses va permettre aussi, je veux dire, à d'autres, je veux dire que ce soit la France ou l'Espagne, à se développer après par la suite de ce côté-là. En fait, vous êtes un lanceur d'alerte. D'accord. À cette époque-là. Vous n'êtes pas venu pour rien. Vous êtes venu pour faire bouger les choses. Hein? Mais pas seul, avec d'autres personnes, vous êtes venu, oui. Vous êtes retrouvé. Alors vous êtes quand même d'une bonne famille, où on me montre quelqu'un qui a étudié à la maison et après qui a étudié dans une grande université, d'accord. Mais ce qui vous peine, c'est de voir jeune, vers 15, 14, 15 ans, de voir cette pauvreté de ces jeunes qui sont dans la rue, qui font face à la misère. Et vous estimez que chacun a le droit d'avoir la possibilité, que chaque être humain a le droit à l'éducation. Que chaque être humain a le droit à la connaissance. Hein? Et vous allez vous battre avec vos amis. On me montre vraiment le clan. Hein? On me montre un clan d'élèves. Vous allez être plusieurs élèves. Où vous allez justement profiter justement des connaissances de vos parents pour être justement les éveilleurs. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, voilà. D'accord. On me montre que vous allez, participer. Alors au début, ça va être surtout, on me montre des hôpitaux, hein, on va trouver des endroits. On va vous donner le feu vert, d'une certaine façon, pour montrer si ça marche ou ça marche pas. Et on me montre des hôpitaux qui accueillent des orphelins, des parents qui abandonnent leurs enfants, des mères qui ne peuvent pas, qui sont dans une misère extrême. Et donc, on va éduquer déjà ces orphelins. D'accord, les orphelins abandonnés. D'accord. Là, il y a l'écriture encore qui revient. Alors, c'est drôle, hein, toujours l'écriture qui revient. L'apprentissage. Et on va emmener ces jeunes garçons ou ces jeunes filles aussi, oui. Parce qu'on éduque aussi les filles, dans des métiers artisanaux. D'accord. Il y a de l'argent, hein. On voit vraiment que vous. C'est drôle parce que c'est encore votre rôle, hein, d'aller chercher l'argent, d'aller chercher des possibilités d'argent, parce que l'État ne peut pas forcément financer tout, d'accord, hein. Mais aller chercher. Alors, je vois beaucoup d'hommes du côté de la marine. Ces hommes-là vont construire des bateaux. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être construites grâce à l'éducation de ces hommes, en fait, ces hommes et ces femmes. Hein, c'est très important pour vous d'éduquer les femmes parce que c'est elles qui vont pouvoir éduquer leurs garçons. D'accord. Vous voyez, au début, c'était que pour les garçons. Et finalement, vous dites non, ce sont les femmes qui éduquent leurs enfants. Et si elles ont l'éducation, si on leur apporte justement ce qu'il faut, elles vont pouvoir elles-mêmes avoir des garçons et éduquer leurs garçons. Donc voilà. On m'en montre à partir de 5 ans. De 5 ans, les enfants vont être. Alors, 5 ans à 7 ans, on me montre l'éducation des enfants. D'accord ? À partir de 5 ans, ils sont déjà accueillis. Il y a d'autres enfants. Alors, ce n'est pas obligatoire à cette période-là. D'accord ? Mais, s'il y a possibilité, vous les accueillez. C'est pour ça que les enfants d'orphelins, c'est plus facile. Mais aller chercher des enfants extérieurs qui travaillent pour leur mère ou leur père, ça, c'est compliqué. D'accord ? En fait, le but aussi, c'est de ne pas avoir de délinquance. D'accord. De meurtriers, de voleurs. Ah oui. Vous voyez, c'est épurer justement ce côté malsain qu'avait l'Angleterre. D'accord, hein? Voilà. D'accord. On me montre. Alors, on est en train de me dire que ces endroits où il y aura beaucoup d'orphelins s'appellent le Christ Hôpital. Ah oui. D'accord. Of Christ Hôpital. D'accord. D'accord.
Alors, ça, vous mènerez ça, Angélique, jusqu'à la fin de votre vie, en fait. Ça sera aussi. Vous vivrez vieux, hein, au moment de quelques. Alors, on me montre, on me dit votre nom Stone. Vous vous appelez Stone. Stone. D'accord? D'accord. Stone. Alors, Et j'ai pas eu d'enfant, j'étais pas mariée. on me montre pas d'enfant, hein? D'accord. Alors, je pense que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. D'accord. D'accord? Vous appelez Lord Stone. Oui. Lord. Hein? Vous êtes un lord. D'accord. D'accord? Alors, cette éducation des enfants et tout ça va. Alors, on me montre le futur parce qu'on est en train de me montrer tout ça va permettre, je veux dire, à la France aussi, je veux dire, aux pays français, comment dire, espagnols, de rééduquer aussi leurs enfants. D'accord? Ça va être. Voilà. Et en fait, aussi, c'est une question aussi religieuse, hein, aussi. Je veux dire, de sortir un peu du côté christianisme pour rentrer dans tout ce qui est. On éduque les protestants. D'accord. D'accord? Voilà. Hein? Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger de là. Hein? Vous êtes un éveilleur. Vous étiez une éveilleuse à cette période-là. Hein? Il y a des gens qui viennent pour éveiller les consciences. Hein? Vous avez fait partie des gens qui ont éveillé, en fait. Hein? Il y a D'accord. toujours un début qui permet d'avancer. D'accord? Voilà. Vous avez des questions à poser par rapport à cette période? Oui, pareil, si parmi les gens que j'ai connus, j'ai quelqu'un aujourd'hui. Non, on me dit non. Vous êtes une grande solitaire, j'ai l'impression. D'accord. Alors, vous savez, Angelica aussi, il se peut aussi que les personnes qui vous ont suivi. Alors, moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des personnes qui, à cette période-là, sont plutôt dans l'éducation nationale ou sont plutôt dans le ministère, on me dit, qui ont été D'accord. vos amis. D'accord? Qui ont voulu changer les choses. Alors, on me parle de François Hulot, qui a été un de vos amis. François? Hulot. Ah oui, c'est qui lui? Voilà. Son ami. D'accord. Voilà. Qui a été qui est important aujourd'hui, on me dit. Qui est quelqu'un qui fait bouger les choses, mais dans tout ce qui est la nature, je pense. D'accord? Voilà. Ah, ça s'appelle pas François. C'est pas François Hulot. Alors, Autrement ça. il s'appelait François, d'accord? Ah, il s'appelle François, Il s'appelle d'accord. maintenant c'est Hulot en fait, d'accord? Mais il s'appelait Ah, François. d'accord. Ah, d'accord. Et j'étais bien avec lui. Oui, vous étiez de la même école. Il a fait partie aussi de tout ce qui était bouger les choses, faire bouger les choses. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Hein. Il y a encore sur cette terre, c'est pour ça qu'il y a. Des gens au niveau climatique, au niveau qui font bouger les Oui. choses, au niveau de la pollution, au niveau de la Oui. consommation, au niveau. D'accord? Il y a ceux qui sont restés dans l'éducation nationale ou dans tout ce qui est l'apprentissage. D'accord? Oui, Alors, on me d'accord. montre une dizaine de personnes. Vous étiez à peu près 10 ou 12 personnes. D'accord. D'accord? Voilà. On me dit que le 21e siècle est important parce que, en fait, ce sont des personnes qui ont votre âge aujourd'hui. D'accord. Oh, oui, c'est vrai, hein. D'accord, hein? Vous êtes venu en groupe, revenir pour faire bouger les choses. D'accord, hein? Voilà, Angélica. Alors, on passe à cette troisième vie. Oui. D'accord. On me parle d'accord. Alors, c'est drôle parce qu'on me montre ma date de naissance. Alors, là, vous êtes une femme. D'accord. On me montre d'origine allemande. D'accord? D'accord. Parents allemands, mais je pense. D'accord. On me montre la. Alors, souvent, ils me montrent des images. Hein, ils me montrent la Statue de la Liberté. D'accord? Je dirais en Amérique. D'accord? Vous étiez en Amérique. Je pense que vous êtes né en Amérique. Parents allemands, vécu en Amérique. Fuit l'Allemagne pour partir en Amérique. D'accord? D'accord. Voilà. Vous êtes attirée par l'Amérique, Angelica? Du tout.
Du tout? Bon, on va voir pourquoi. Pourquoi. Mais bon, là, c'est carrément autre chose, là. Hein? C'est tout ce qui est artistique. On me montre vraiment le côté artistique. Alors, c'est drôle parce que, en tant que sœur, vous aimiez tout ce qui était artistique, les théâtres et tout. Oui. Et là, vous êtes carrément dans l'artistique, dans tout ce qui est artistique. D'accord. 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 Alors, on me dit, il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir. D'accord? Cette Oui. période-là, vous l'avez sortie. D'accord? On parle de 1900. Et c'est drôle parce qu'on me montre le 6 octobre, ma date de naissance. Alors, ce n'est pas moi, c'est vous. D'accord? Vous êtes né un 6 octobre. Voilà. D'accord. Alors, 1900, mais je pense que c'est les débuts de 1800, peut-être 1900. 5 ou 1800. Voilà, on me montre début. Alors, vous n'êtes pas là, cette période-là, vous n'avez pas vécu. Alors, on me montre une mère alcoolique. Oui. Un père non présent, je veux dire un père qui, moi pour moi c'est un père qui n'est pas toujours là, d'accord? Alors votre maman c'est par chagrin hein, qu'elle boit en fait, d'accord? D'accord. Elisabeth on me dit, elle s'appelle. Ma maman. Oui, hein, cette période, oui, Elisabeth. D'accord. D'accord. Je pense que votre père n'est jamais là en fait. Hein. J'essaie de comprendre. Alors, c'est pas le plus important, d'accord. Alors, on passe à autre chose. Alors, vous êtes encore une femme indépendante, d'accord? Oui. Tumultueuse, souriante, pleine de vie, enthousiasme. Déjà, je veux dire, j'ai l'impression que vous allez quitter vos parents à un moment donné, vous allez quitter votre mère pour pouvoir vivre votre propre vie encore. D'accord? Votre propre vie. Pour être indépendante. Alors, ce qu'on me montre, vous êtes blonde, hein, cette période-là, les yeux bleus. D'accord? Blonde aux yeux bleus, hein. Vous êtes une actrice, hein. On me montre quelqu'un qui va se payer ses études ou qui va faire tout pour se payer des études pour pouvoir entrer dans tout ce qui est théâtre, tout ce qui est. Alors, on me montre bien le théâtre, hein, tout ce qui est, je veux dire, l'accomplissement de vous intérieurement. Parce que vous avez toujours fait des choses pour les autres. Hein, et là, vous aviez Oui. besoin de faire les choses pour vous. D'accord? Vous avez eu besoin de ça. Vous avez amené à bien ce que vous deviez faire. Et du coup, on vous a demandé de faire aussi des choses pour vous, en fait. Hein, de vivre aussi une vie amoureuse aussi. Voilà, hein, ce que vous allez faire de toute façon. Hein. Vous n'aurez pas la chance, Angélique, je vais dire, de vos premiers amours, où vous êtes une très très belle femme. Hein. On me montre quelqu'un de très très belle, mais des hommes infidèles ou des hommes pas du tout, je veux dire, dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, je veux dire, ils passent ailleurs. Hein. Et du coup, vous, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, que vous n'aimez pas en fait. Vous avez quand même besoin de stabilité et essayer d'avoir une famille aussi. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, vous êtes l'épouse. Alors, on me montre de cet homme de Claque. Comment il s'appelle? Dites-moi, s'il vous plaît. Oui. Clark, vous êtes l'épouse de Clark, on me dit. Attendez, Clark. Alors, je sais pas si c'est Gable ou Clark Gable ou quelque chose comme ça. D'accord. Je D'accord. vais chercher. Voilà. Oui. Alors, je vais vous quand même vous donner. Vous vous appelez Jeanne. D'accord. D'accord? Oui. Voilà, c'est votre prénom. Vous êtes quand même. Alors, cet homme-là, c'est un homme qui va tout vous apporter. Hein? C'est au moment d'un tournage que vous allez le rencontrer, on me dit. Je veux dire, vous allez être marié, puis ça va pas marcher, et puis vous savez, vous êtes mené entre l'écran et. Mais vous vivez toujours dans le luxe, en fait. Ce qu'on me montre toujours, c'est que vous manquez jamais de rien. Mais ce que vous voulez, c'est être dans quelqu'un qui vous aime. Voilà. Et cet homme, il va vous aimer complètement. D'accord? Il va vous aimer et on me dit que dans une autre vie, pas celle-ci, dans une autre vie, vous le rencontrerez.
cet homme. D'accord. D'accord, il reviendra. Il ne reviendra pas dans cette vie, pas dans cette dimension, on me dit. Oui. Dans une autre dimension. Vous retrouverez cet homme. D'accord. On me montre que votre... Voilà, vous vous appelez... est-ce que j'ai donné... Jane. Jane. Alors, vous allez faire beaucoup de films. Hein, ça, d'accord, on me dit beaucoup de tournages. Beaucoup de tournages. D'accord, vous pourriez réaliser 9 tournages dans une année ou 10 tournages. C'est vraiment votre truc, en fait. C'est d'être sur l'écran. D'avoir besoin de vous expérimenter les choses, de jouer des pièces de théâtre, de rire, de faire des trucs tragédiques. Vous voyez, vous avez besoin de vous exprimer. Je pense aussi aujourd'hui, Angelica, vous devriez justement faire peut-être du théâtre ou faire des choses pour vous exprimer en fait. D'accord ? Parce que tout est là en fait. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous suffoquez intérieurement parce que vous avez besoin de sortir des choses. D'accord, même si ce sont des petites pièces qui ne durent pas longtemps, d'accord, mais d'exprimer les choses. Alors, on me montre aussi une vie antérieure avant celle-là où vous avez été grec aussi, où vous participiez à des choses théâtrales et tout ça. Et c'est revenu dans cette période-là du 19e siècle, 20e siècle, je dirais, parce que vous êtes né dans les 1900, début d'année, d'accord, début de je veux dire, 1900, peut-être 4 ou 8. Ou 7, j'en sais rien. Voilà, on me montre avant 10, avant 1910. Et aujourd'hui, on me dit qu'il va falloir aussi sortir ce côté artistique qui est en vous. D'accord. Voilà. Alors, vous n'avez pas vécu longtemps. On me montre que vous avez eu un accident. D'accord, hein, alors que vous alliez sur un tournage ou visiter quelqu'un, on me montre l'avion, que vous n'avez pas vécu longtemps. Ce qui est important, vous n'avez pas vécu longtemps parce que vous avez vécu ce qu'il fallait vivre. D'accord. Mmh. Alors, pour moi, vous êtes décédé vers la trentaine, d'accord, la trentaine passée. D'accord. Hein, on me montre un accident avec d'autres personnes. Hein, il y avait d'autres personnes qui mourront à ce moment-là. À votre grande peine, hein, parce que en fait vous viviez enfin le bonheur avec cet homme, d'accord. D'accord. Votre nom de famille, est-ce que vous pouvez me le donner, s'il vous plaît, pour Angelica? Alors, Jane, il y a un P devant. Peter ou quelque chose comme ça. Peters. Voilà. Peters ou Peter. D'accord. D'accord. Votre mari s'appelle Clark Gable, je crois. Clark Gable, je crois que c'est Gable. Hein? Gable. Mais ça signifie que j'ai des films où je dois me trouver, moi. Oui. Oui, d'accord. Oui. D'accord, vous êtes une très très belle femme. D'accord. Malheureusement, vous étiez au plus haut de votre succès, on me dit. Et vous avez atteint ce qu'il fallait atteindre, de toute façon. D'accord. On ne me montre pas d'enfant non plus. D'accord. Voilà, d'accord. Hein. On ne me montre pas d'enfant. Votre carrière est très, très importante aussi. D'accord. Alors, vous avez eu des liaisons amoureuses. Côté amoureux est revenu, là, à ce moment-là. Vous aviez besoin d'expérimenter aussi le côté sexuel de votre... ce que vous n'avez pas fait, forcément, dans d'autres vies. Vous aviez besoin d'expérimenter ça, le côté amoureux. Mais vous êtes quelqu'un qui a un côté fragile derrière votre sourire éclatant, derrière vos yeux pétillants et tout ça. Vous êtes quand même... quelqu'un qui avait besoin d'être en amour. Cet homme va vous, ce troisième homme, on me montre un troisième homme, ce troisième homme, hein, on me dit Clark, va tout vous apporter en fait, c'est tout ce que vous recherchez. Et d'accord. Et on me montre que c'est cet homme en fait qui a été ce mari plus âgé que vous dans l'autre vie en fait, qui revenait. D'accord. Malheureusement, c'est vous qui allez partir trop tôt. On me dit qu'il ne s'en remettra pas de cet accident, en fait. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un titre de film, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas gay, hein? Ils me disent la joyeuse suicidée.
La joyeuse, pour C'est suicider? pour ça que je disais, vous n'êtes pas joyeux, mais c'est la joyeuse suicidée. D'accord. Alors, il tire le truc par rapport à la joyeuse, parce que vous étiez très joyeuse, mais suicidée, vous êtes décédée, d'accord? Mais il y a eu beaucoup, D'accord. beaucoup de films. On monte beaucoup de tournages chaque année, au moins 8 ou 10 tournages. Hein. Vous étiez infatigable. Hein. D'accord. Cet amour vous a donné encore plus des ailes, on m'a dit. Merveilleux, j'imagine. D'accord. Je ne sais pas combien de films vous avez tourné, mais j'ai l'impression qu'il y a une centaine de films. D'accord? D'accord. Voilà. Centaine ou une cinquantaine ou 100. Voilà, on montre entre 50 et 100. D'accord? Après, des fois, D'accord. ils n'ont pas la notion des. Voilà. Ce n'est pas le plus important. Hein. Cette vie-là, elle a été importante, Angélica, parce qu'elle a permis justement de vous éveiller en tant que femme. C'était surtout ça, de faire des choses. La vie, ce n'est pas forcément avoir des enfants pour s'éveiller. La vie, c'est de se prendre soin de soi-même et déjà de s'éveiller soi-même pour après avoir des enfants. Oui. Vous comprenez? Voilà. Oui. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez quoi? Vous avez qu'une fille, c'est ça? Oui. Voilà. Vous voyez, vous n'avez jamais été une femme à faire beaucoup d'enfants, de toute façon. Même dans les autres vies, c'était pas votre. Il préfère en avoir une et être bien avec que d'en avoir plusieurs. Bon, après, chacun fait Oui. son choix. Mais votre vie, elle a été différente. Il y a des femmes qui auront beaucoup d'enfants, comme moi, par exemple. Mais il y a une raison aussi pourquoi ces enfants sont là. D'accord? Oui. Voilà. Et il y a l'évolution. Vous avez toujours mené les choses indépendamment, en fait. D'accord? Aujourd'hui, on me dit, Angélica, il faut vivre votre vie, il faut faire du théâtre, il faut vous amuser, il faut aller rire, il faut vous permettre des choses. Parce que la vie est importante. D'accord? Vous avez déjà fait votre part de quota, d'une certaine façon, d'aide à l'autre. D'accord? Ça ne vous empêchera jamais d'aider les autres. On me dit qu'aujourd'hui, même si quelqu'un vous demandait de l'aide, vous allez l'aider dans ce que vous Oui. connaissez. Oui. D'accord? Mais après aussi, ne vous oubliez pas, parce qu'il est important aussi de ne pas nous oublier, d'aider, mais aussi de ne pas nous oublier. Il faut évoluer des deux côtés. Des fois, ce n'est pas facile. Et accepter aussi de recevoir. D'accord? Vous pouvez donner, mais il faut apprendre aussi à recevoir, à être aussi gâté. Pourtant, vous l'avez été au début, gâté, hein? D'accord? Oui. C'est pour ça aussi, Angélica, des fois vous pouvez aussi ressentir qu'en fait, vous avez déjà vécu des choses de luxe ou des choses que forcément aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie d'avoir, mais vous aimez les belles choses, on me dit. Vous voyez? Préférez avoir moins mais bien qu'en avoir beaucoup et moins bien. D'accord? Vous voulez plus vous encombrer de choses inutiles. Vous allez à Oui. l'essentiel, on me dit, parce que vous avez déjà vécu tout ça, en fait. D'accord? Alors, on me montre aussi que de l'autre côté, alors c'est rare hein, qu'on me parle de l'autre côté, vous avez été enseignante de l'autre côté. Ah bon? Hein, vous avez aussi J'espère. travaillé de l'autre côté, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je veux dire, d'accord, on me dit que vous allez, on va vous changer le programme après. Ah d'accord. Parce qu'il est temps, parce que vous passerez dans une autre dimension un peu plus haute et qu'on va vous changer, vous passerez à autre chose que tout ça, D'accord. que tout ce qui est terrestre. D'accord? Oui. Que tout est terrestre. Alors, moi, je vous invite en tant que Jane, en tant que Lord Stone. D'accord? Allez aussi peut-être visiter cet endroit à Lyon, hein, ce couvent, on me parlait Oui. de Christ, le Christ Hôpital. Voilà. Oui. Alors, on me montre un édifice très large qui a été maintes fois retapé, restructuré. Hein, on me montre cet endroit. Vous allez ressentir que vous étiez là de toute façon. Hein, par contre, on me montre un très très bel hôtel où vous logiez et tout est en ornement en fait à l'extérieur. C'est un hôtel Aussi à Lyon, à Lyon et on me montre un hôtel de luxe. Et on me D'accord. dit le plus luxe du luxe, on me dit. D'accord. J'irai, hein. J'irai, j'irai. Voilà. Voilà Angélica. Donc,
Donc, cela veut dire que moi, je me suis réincarnée très vite, hein? Oui, alors, vous avez décidé de vous incarner très vite parce que je pense par rapport aussi à l'homme que vous avez aimé et qui vous voulez le retrouver certainement et puis ça ne s'est pas fait tout de suite. D'accord? D'accord, Donc c'est pas oui. grave. Vous êtes incarné, on me dit, assez rapidement parce que aussi parce que c'était votre volonté et aussi parce que vous aviez aussi envie de vivre quelque chose d'autre. Hein, d'accord? Hein. Vous avez fait beaucoup le tour et c'est pour ça qu'on vous dit que vous aurez une autre incarnation sur un autre plan. D'accord, Qui donc je ne... viens plus sur Terre. Voilà, pas sur cette terre de 3D. Oui, D'accord? d'accord. Alors, on me montre que vous êtes décédé encore une date d'anniversaire qui est de ma famille, c'est bizarre, de Oui, ma famille, de oui. mes enfants, le 16 novembre. Je suis décédée le 16 novembre. Voilà, on me montre 16 novembre 1900, 1900, vous pouvez me donner si vous... 42, 42 ou 43. C'est incroyable. Et Voilà. oui, je signais en 55. Ça D'accord. ne veut rien dire. D'accord, Ça va on être. peut très vite s'en incarner parce qu'on n'a pas forcément Oui. envie de... D'accord, vous avez été enseignante, on me dit, de l'autre côté, vous avez fait des choses de l'autre côté, c'est pour ça que vous avez D'accord. envie de vite revenir. D'accord. Vous êtes dans l'enseignement. Oui. D'accord. Oui. Et Mélodie ou Élodie, elle est dans quoi? Elle chante. Elle Ah! chante, elle chante. Et vous aimez le théâtre, Élodie ou Mélodie? Ah ben oui, je suis chanteuse d'opéra, je travaille pour être chanteuse d'opéra. D'accord, on me disait les voix. Alors, comment dire, il y a pas de hasard, comment dire, il y a pas de hasard, je veux dire, la destinée, elle est déjà marquée. D'accord, hein? Elle est déjà marquée. De toute façon, vous êtes lié par votre mère ou votre mère par vous. D'accord. D'accord? Votre mère, elle a été actrice. C'est qu'elle a des choses à développer et qu'elle s'empêche d'être, en fait. Hein? Par rapport au jugement des autres et tout ça. Parce qu'à un moment Yes. donné, vous aviez envie aussi un peu de lâcher tout ça pour vivre votre propre vie amoureuse. Hein. Malheureusement, vous n'avez pas pu la faire. On me dit que cet homme que vous avez aimé, Angelica, vous allez le retrouver, mais sur un autre plan, parce d'accord, il évoluera Là. dans un autre plan. Oui. D'accord, vous D'accord. évoluerez dans un autre plan. Alors, moi, je vous invite maintenant d'aller fouiner, hein, parce que là, c'est le plus beau, c'est quand on va aller fouiner soi-même et qu'on va ressentir des choses en nous qui sont exactes. Oui, D'accord, oui. hein? Et parmi cette vie-là, parmi les personnes que j'ai connues dans cette troisième vie, est-ce que j'ai rencontré aujourd'hui ici quelqu'un peut-être? Vous êtes une grande autonome, hein, vous. Oui. Vous avez rencontré beaucoup, beaucoup de gens, d'accord, mais qui n'ont pas été pour vous, je veux dire, très importants, en fait. Il y avait l'importance à cette période-là, mais pas important dans votre évolution. Alors, vous D'accord. êtes un Oui. peu une solitaire, hein, un peu comme moi, une solitaire qui Oui. vient amener les choses, à faire bouger les choses. Il y a des gens qui sont un peu plus solitaires. D'accord, hein? Oui. Ils n'ont pas besoin de forcément d'être entourés de gens pour venir faire leur travail. Vous êtes venus faire votre travail. Point, c'est tout. D'accord? Oui. Et quel est Avec mon travail? beaucoup d'amour et de compassion, c'est surtout ça. D'accord? Oui. Avec d'amour et compassion, à votre façon. D'accord, hein? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous posiez une question? J'ai pas entendu, Angelica. C'était ça la question, si parmi les gens que j'ai connus dans la dernière vie dont vous me Oui, parlez, je ne pouvais pas avoir puisqu'ils étaient en Amérique déjà. J'étais en Amérique. ce que je veux dire, c'est que nous sommes amenés à aller sur une autre ville, un autre Oui. endroit. Je veux dire, il n'y Oui. a pas de limite. Ces personnes-là que vous avez Oui. pu rencontrer, elles peuvent être aussi dans votre vie aujourd'hui. D'accord? D'accord. Oui. Je veux dire, on vient jouer une pièce de théâtre, on vient jouer une pièce de théâtre au niveau de l'évolution. D'accord? Évoluer D'accord. notre conscience. Et quand on a compris en fait que tout sur Terre, comment dire, nous vivons des pièces de théâtre et tout ça, nous venons justement pour exprimer, pour évoluer, pour aimer, être dans la compassion, partager, donner, apprendre. C'est surtout ça en fait. Éveiller Oui. ceux aussi qui sont derrière nous en fait. D'accord? D'accord. Et Oui. emmener la conscience humaine à une évolution spirituelle dans la réalisation de tout son être. Hein. D'accord. D'accord? Et je voulais savoir, est-ce que je vais rencontrer encore ma fille dans une autre vie? Oui. Ah.
Elle est liée à vous et vous êtes liés à elle, hein, tous les deux. D'accord, hein? D'accord. Hein? Alors, on me montre aussi, vous, au niveau des animaux aussi, vous étiez, comment dire, cette actrice qui avait beaucoup d'animaux aussi autour de vous. D'accord. D'accord. Surtout les chiens, on me montre. D'accord. Et vous avez eu des animaux qui est relié aujourd'hui aussi et qui sera encore relié après. Qui, des animaux? Oui. Et on me parle de chiens, de petits chiens. Pas de gros chien. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'on me montre un chien avec une petite chienne avec un petit nœud. Vous aimez lui mettre un petit nœud bleu ou rose sur la tête. D'accord, hein? Et donc, il y a les animaux aussi, nous suivent aussi. Quand on les a aimés, ils nous D'accord. suivent aussi. D'accord, oui. Angelica. Voilà. Et encore une question. Oui. Est-ce que parmi toutes mes vies que j'ai eues, moi, j'étais à un moment donné officier dans l'armée? On me dit que oui, mais qu'il n'a pas d'importance dans cette vie d'évolution. D'accord. On me dit que d'accord. oui. Hein, vous avez d'accord. été aussi homme. D'accord. Entre d'accord. deux, il y a eu des vies qui ne sont pas pour aujourd'hui. Oui, oui, bien d'accord. sûr. Mais on me dit que oui, que vous avez été officier, mais qui ne fait pas partie de votre évolution aujourd'hui. D'accord, hein. D'accord. C'est pour ça que vous avez un côté droite, un côté très clac-clac. Oui. D'accord. Oui, très ordonné, très... voilà. Ça vient justement de cette vie en tant qu'homme, en tant que Stone, hein, d'accord, en Angleterre, où je veux dire, vous étiez un lord, mais on montrait quelqu'un qui... je veux dire, une personne qui avait déjà été en voyage aussi. Donc, on montrait aussi l'uniforme aussi. D'accord, hein. Quelqu'un qui avait bougé, d'accord. Je pense qu'il a, il y a eu un service militaire ou quelque chose qui a été fait qu'il était obligé de partir ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a ses droits et vous avez ce côté droit et c'est pas à mal en fait. Vous n'êtes pas du tout pour blesser ou faire du mal. C'est que vous êtes comme ça. Vous voyez les choses, clac clac. C'est comme si vous rangiez les tiroirs, clac 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 clac. Oui. Vous voyez oui. Mais vous revenez. Après, vous comprenez que vous devez revenir, que la personne n'est pas forcément comme vous, qu'elle n'a pas forcément compris. Donc, vous allez voilà, dire « Oh, j'ai été peut-être trop vite. » Vous remettez en cause. C'est ça qui est beau, Angelica. C'est que vous avez compris que la personne en face de vous n'a pas peut-être la même conscience que vous. Et donc, même si vous dites les choses, hop, vous allez revenir pour expliquer d'une autre façon, plus facile, pour que la personne comprenne. Voilà. Elodie, oui. Alors là, ça vient à vous, hein, on est en train de me dire, ne prenez pas à mal quand votre maman, elle est clac-clac. Ah, oui. D'accord. Parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a une grande sensibilité, on me dit. Qui a une sensibilité. Répétez, s'il vous plaît. Attendez, juste 2 secondes. Parce je crois que... Ah, voilà. Oui. Là, ça va. On me dit pour vous, Elodie, vous êtes quelqu'un qui avait une grande sensibilité, qui avait une autre vision de voir les choses par rapport à votre mère. D'accord, hein. Oui. Vous êtes plus dans une compassion, dans la relation, vous voyez, plus que votre mère qui est plutôt un peu des fois sauvage, qui n'ose pas aller vers les autres et tout ça. Alors c'est le côté aussi de nos vies antérieures qui fait que nous sommes comme ça. D'accord, donc si vous êtes ensemble, c'est aussi pour évoluer l'une avec l'autre. D'accord. Alors vous allez la faire chanter. Et elle va vous apprendre à faire jouer du théâtre. D'accord. Alors, en fait, dans notre vie, on rencontre des gens, surtout nos enfants, qui peuvent être liés, pour évoluer avec eux, pour leur apprendre, et eux aussi nous apprennent. Il ne faut jamais oublier. Oui, bien sûr. Et c'est pas une question d'âge. Hein. Son âme, elle est peut-être très plus évoluée que la vôtre aussi. Hein, je la connais ça, pas. Ça, c'est sûr. Hein. Vous voyez, je la connais, oui. Mais je veux dire, vous êtes évoluée dans ce que vous deviez faire. D'accord, Angelica? Oui. Voilà. Et c'est oui. très bien, on me dit. On vous, on vous valide le très bien. On vous valide le très bien. Ah, pardon, merci. Et moi aussi. Ah, c'est le guide qui me oui. valide comme ça. Oui. Ah, merci beaucoup, mes guides. On merci vous valide. Beaucoup. J'ai pas dit que je validais. On vous valide le très bien. On vous valide, c'est les guides qui vous valident. C'est les guides. D'accord. Ah, d'accord, merci. Hein? Oui, merci voilà. beaucoup. Oui. Ils disent de continuer encore sur ce bon chemin, mais de faire des choses pour vous, d'aller surtout dans les pièces qui vous font rire. Hein.
D'accord. Alors, on me montre en tant que Jane, vous étiez quelqu'un qui. Alors, Jane, on me met Jane A. Alors, la lettre A devant, je pense que c'est Aline ou Alice. Jane, Alice ou Aline. D'accord? Voilà. Et on me dit que vous faisiez souvent des pièces un peu théâtrales, mais plutôt tragédiques. Mais votre truc, c'est de rire, en fait. Vous aimez les pièces qui font rire. Un peu. Alors, on me dit que vous étiez facile à l'aise de mettre de faire un peu l'enfant gâté, parce que vous aviez vécu des choses. Donc, du coup, c'était plus facile pour vous. D'accord, Allez oui. regarder peut-être un film, je sais pas, voilà. On me dit La Joyeuse Prisonnière, il rigolait avec vous, hein. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes joyeuse, mais vous êtes prisonnière de cette joie. C'est vrai. Vous voyez, c'est pour ça qu'on m'a donné ce titre, hein, La Joyeuse Prisonnière. C'est que vous êtes D'accord. quelqu'un intérieurement qui a besoin de joie, mais vous vous emprisonnez vous-même. Oui. Je vais Voilà. faire. D'accord? Vous avez compris, Angélica? J'ai compris, Isabelle, j'ai compris. Voilà. Après, on pourra parler en dehors de caméra. Oui, bien sûr. Allez, Ah. je coupe maintenant et je vous remercie. C'est moi, c'est nous qui vous remercions, Isabelle. Merci beaucoup.